Regardez comme elle est musclée, j'ai pas besoin de faire grand chose. Alors, bien arrivé? Ouais, c'était doux, petit voyage tranquille, bien passé. Ouh, eh ben c'est pas des lol. On est respecté, les petites cartes qui peuvent vous. Bon, mais ça, on a discount du. Le gars là, discount du. Comme je disais, vous n'allez pas pouvoir venir. D'accord. Et tout un hôtel. Attention, un rituel. Je suis obligé de faire un rituel. Dédicace au frérot Chris. Le mastodonte. La vie. Oh, enfin arrivé. Il faut que tu ouvres cette porte-là, s'il te plaît. Ok. Oui. Ouvre cette porte alors. Oh. Oh, pire. Oh, pire. Donc, purée! Ouh! Attendez, on respecte les clients ici! Ah, je vous fais un deuxième casteur! Tout ça que vous, moi! Wouah! C'est trop beau! Non, là, j'y découvre, là! Attends, pour de vrai, là? Tout ça que moi! Non, vous voyez ça, c'est chaud! On est pas président, nous? Hôtel, ils savent accueillir. Quelle bonté, mais. Ah, l'impression que je suis chez moi. Conscient de mon goûter, du conseil présent. Tu es donc, oui, considéré comme un ambassadeur de. Chou. De la Guadeloupe. Donc c'est une grande responsabilité, c'est bon. Tout à fait. Je regarde s'il n'y a pas de check, c'est au point là-dedans. Ah non, ça va. C'est lourd. Ah là là. Monsieur Novotel, merci. J'aime les respects. Oh, oh, oh. Je déteste bronzer. Je sens que ça mérite un plutôt challenge. Franchement, c'est lourd. J'arrive. Ouais, cassava toute patate. Afrique. Mais quand tu cassas, ouais, c'est cool. C'est cool. C'est ça. La vie d'artiste, hein. La vie d'artiste, c'est quelque chose. C'est cool. Ah, c'est bien la voiture de ton ménage. Bon, là, je suis dégoûté d'avoir déposé ma caméra. Le mec, c'est ce que je disais à. Aurélie, mais ce que je dis souvent aux gens. C'est justement ce petit côté. Ce petit côté enfantin où je me dis à chaque fois waouh et tout. Et je me dis le jour où je perds ça, je crois que j'arrêterai carrément la musique. Parce que j'aime pas, justement, je veux pas que ça devienne. Tu deviennes trop naturel, trop logique, trop. Des fois je regarde les artistes, c'est tellement ouais bon, c'est logique quoi. C'est normal. Et moi je me dis, mais non, justement, c'est ce côté magique qui est beau, tu sais, quand c'est ce truc que tu vis et tu dis, wow, la chance que t'as quoi. Ouais, bien sûr. C'est lourd. C'est lourd. Je suis d'accord. À chaque fois que je fais un truc, je me dis, la chance. J'ai de la chance. Et alors j'étais chez moi, avant-hier j'étais à La Réunion. Et boum, tu es à Dakar. Là, je suis à Dakar.
Sénégal, Nernaloliouan. Afrique, Nernaloliouan. Badiam, Dalga, Fanane, Yuan. On est très content de vous voir, Yuan. Bonnes vacances, Sénégal. Bonnes vacances, Afrique. Deux roulets bis. Deux roulets bis. Ouais, on va pas bis là. Bon, en direction du Lac Rose. On est venu faire un petit safari. Vous connaissez ça, vous, le safari? Bon, les gars, il va falloir se mâcher. Nous bloquer. Allez, poussez. Non, vas-y, d'accord, qui est où là? On dirait, j'en parle encore qui. Yo, bah, rien pour du quoi, pour venir nous chercher. Non, vous ne pouvez pas faire pour ça. Non, ça ne se fait pas. Non. Là. Ah, je vous remercie Aurélie Faïton. Oui, Aurélie Faïton, c'est super. Malika, on en profite pour que tu puisses nous faire une petite présentation. J1 de notre arrivée donc au Sénégal. Mm-hmm. Nous, ça va détendre l'atmosphère parce qu'on nous a toujours bloqués, tu vois. Alors, explique-nous un petit peu. Alors, Malika Jean-François, directrice de l'agence MJF Media Group. Nous sommes spécialisés dans tout ce qui est relations presse, relations publiques et événementielles. Et je suis ravie d'organiser avec le comité Dakar une coopération avec Johan pour la visite du Sénégal, pour faire découvrir la culture africaine et la culture antillaise, caribéenne, créer ce pont entre nous, parce que nous sommes seuls et même famille. Voilà. Merci Malika. C'était la pub. C'est parti. Piling, la pub. Bon, ben voilà, il est 7h et des poussières. Nous sommes là pour la matinale de Zestivi. C'est l'ambassadeur du Zouk. Essaye de faire passer le Zouk un peu dans le monde entier. Mmh. Et c'est un honneur d'être au Sénégal. D'accord. C'est parti. Oh, diamant du tout. Oh, diamant d'Ambélé. Merci. Voilà. Ça, c'est du beau monde. Monsieur Kadim Ambitin. Monsieur Kadim Ambitin. J'ai pas mis ça dans le film. Monsieur Kadim Ambitin. J'ai pas mis ça dans. Et Eddie Murphy. Oui, c'est monsieur même. Ah ouais. Notre Guadeloupéenne d'Abidjan.
Hello Malika. Voilà. Je représente la Guadeloupe à l'international. Voilà. Et tu représentes maintenant Johan à l'international. N'est-ce pas? Donc, c'est 10 000 euros le poste, d'accord? Mais tu t'adresses à qui? À moi ou à la caméra? Je sais pas. Ah d'accord. Vas-y Delia, explique-moi un petit peu le concept de l'émission. En fait, il y a deux présentatrices principales qui sont Mariam et Hawa. Maintenant, elles ont un petit plateau où elles vont saluer les gens, etc. Puis après, elles vont lancer les rubriques. Maintenant, il y a plusieurs rubriques. Il y a mode, beauté, santé, il y a cuisine, etc. Puis après, elles accueillent un invité. Elles peuvent lui poser des questions qui sont liées aux rubriques, mais elles peuvent aussi lui poser des questions comme quel est ton âge, tu t'appelles comment, ce genre de trucs. Voilà. Merci. De comment s'appelle l'émission? À vos marques. Et vous faites ça toute la journée. Et voilà. Et là, vous dansez du zouk avec. On tourne un peu, histoire d'avoir le rythme avec. Et là, de temps en temps, tu peux balancer un petit coup de. Drill. Oui, tu es. Est-ce que je suis pas sénégalais, moi? Direction. Ouais, Vibes Radio. Only good vibes. Ah non, ils ont pas appelé l'Ignat, ça, c'est là, ça. Mais les gars, on est dans la merde, là. Mais les gars, il va faire non, les gars. Gagne nous, si, bon, on va appeler l'électricité, là. Il n'y a pas d'électricité en Afrique, il n'y a pas d'eau en Guadeloupe. Ouais, je cherche. Merci. Bonjour. Que ce n'est pas qu'un amour impossible, mais plutôt à dire j'ai besoin de toi. Il n'a pas oublié ses premières amours dans la R&B qu'il avait délaissé à ses débuts, ce qu'il a fait connaître avec son groupe Trade Union. Pour son premier souffle, un album composé de 16 chansons, mais aussi de 16 clips. Une première dans l'univers des zouks, puisqu'il est question de pouvoir se déhancher. Et comme l'été s'installe déjà et ouvre ses portes, c'est comme ça qu'on va se mettre à table. Ce n'est pas un amour impossible. Au contraire, on a juste envie de dire « besoin de toi », si tu es bien d'accord. Il y a les uns et il y a vous. J'ai des frissons, j'ai des larmes aux yeux. Non, c'est vrai, c'était dingue. C'était dingue. Tu vois? De quoi on parlait ce matin? Non, mais c'est wow. Ça. Avec des mots. Ça, c'est quoi, Jean? Je dois regarder, mais wow. À part de moi, là. C'est trop beau. Magnifique. Merci, en tout cas. Trop du sublime. Je suis choqué. C'était magnifique. Grave. Je suis tombé amoureux, les gars. You know what? Elle a dû dire Liverpool former player, Senegalese captain. Je suis là avec Johan. Hey, je vous dis une chose, préparez-vous. Le zouk va revenir très fort. Avec Johan, on va danser. Sakamache, Sakai. Je vous dis, Mokadiou. C'est là que tu vas voilà. Non, laisse attendre. Suis le swing. Suis le swing. Voilà. C'est ça. Suis le swing. On ne fait pas danser les grands. Pourquoi tu m'as le corps bon, mon casque? Tu peux garder moi de travers. Ça folle. Et qu'est-ce que tu as déjà porté la casquette? On m'a dessus votre casquette. On m'a lâché. Votre casquette. Ouais, où t'as ton casquette? Oh, où t'as ton casquette? Où t'as ton casquette? Yo, tu bats mon casquette. Pourquoi bats mon casquette? Pourquoi tu là? Pourquoi tu m'as ma coiffure? Qu'est-ce que tu m'as fait de coiffure, ça? Qui t'a ma coiffure? Oh, c'est... Ouais, pas ça encore. Dernière fois. Malika, écoutez ça. Malika, dernière fois. Le rousse t'a encore arrivé, comme on dit au casquette. Le rousse t'a encore arrivé au casquette. Pourquoi tu m'as payé? Pourquoi bats mon casquette? Pourquoi tu m'as payé? Et peut-être que si vous êtes sympathique, ah, okay, bah voilà, je peux foutre mon casquette. Mais là, on peut dire pour foutre casquette. T'es beau, hein? J'essaye, la vie est dure.
moins avoir ça dans la vie. On n'a pas la richesse dans la poche, mais on l'a dans le cœur. Ouais, oui, stop l'équipe. Bon, direction Gorée. On va aller s'inspirer, on va aller prendre la good vibe de nos ancêtres, on va aller prendre la bonne odeur de ressources. Et on vous en donnera des nouvelles. Hein? On va aller ressentir tous ces petits moments que nous ne pouvons jamais. Parce que grâce à ces gens-là, justement, on est ce qu'on est aujourd'hui. On a la chance de pouvoir faire ce qu'on veut. Donc, c'est une grande inspiration et c'est un honneur d'aller là-bas. Le protocole a refusé que monsieur le président Mandela se mette là. Lui, il a dit aujourd'hui, il n'y a pas de président. Aujourd'hui, je suis un noir, quelqu'un qui a vécu une tragédie. Et je vais entrer dans ce lieu-là pour me remémorer ce que j'ai vécu en Afrique du Sud, à la prison de Robben Island. Donc, Nelson Mandela est entré dans cette cellule qui était réservée pour un cancer. C'était là où les médecins étaient. Et après avoir écouté attentivement les histoires de mon guide, je me suis senti imprégné d'une émotion inexplicable entre la souffrance et la joie de pouvoir dire à nos ancêtres que grâce à eux, j'ai la chance de choisir d'être qui je veux et qu'ils sont aujourd'hui une de mes plus grandes motivations. On est au niveau de la porte de non-retour. Eh ouais. Trop d'émotions. Quelle explication. Et puis moi, je la passe sans les chaînes aux pieds. Sans le poids. Sans le poids. Et libre, grâce à ces gens-là. Donc quand le pape Jean-Paul II est venu ici, il a demandé pardon. Il a célébré une messe dans cette église. Il a dit, dans ce sanctuaire de la douleur noire, nous implorons le pardon du ciel. Ça veut dire que par rapport à Bartholomew de Las Casas, qui demande pardon, inspiré, le pape Jean-Paul II a demandé pardon, donc au nom de toute l'Église. Maintenant, lui aussi, on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Bartholomew de Las Casas, voulant sauver les Indiens, il a fait le malheur des enfants dans un jour. Moi, c'est ce que je dis tous les jours, c'est on avance. Il s'est passé des choses, malheureusement, mais grâce à ces choses-là, ça nous permet à nous, justement, de vivre ce qu'on vit, de ce qu'on vit aujourd'hui et ce qu'on peut emmener aujourd'hui et contribuer à la chose. Ça, c'est beau. Mais je n'oublie pas qu'on a bien que notre pas nous, j'aime bien dire ça. On n'oublie pas que nos ancêtres nous viennent. Et pour notre bien, nous, malheureusement. Serigne Lo. Présente-toi notre guide. Voilà, je m'appelle Serigne Lo. Et voilà, je suis guide depuis combien de temps ? 1995 quand même. Hein. C'est un bon bout de temps. Et c'est un plaisir toujours de vous accompagner et d'accompagner le séjour des touristes, surtout des frères qui viennent, revenir aux sources. Hein. Voilà. Comme quoi, le combat homme, comme on a l'habitude de dire. Et qu'on voit que le lien, il est toujours là. Hein. Voilà, malgré les distances, quand on vient automatiquement, on sent qu'on vient d'ici, on sent qu'on est là. Et surtout, il y a l'accueil aussi. Les gens, ils sont très, très contents de vous avoir parmi nous. Samedi 27 juillet, petit cadeau récupéré à la réception. Sénégal maintenant. Parfait. Exactement comme je l'ai vu. Voilà, je suis sénégalais maintenant aussi. Yahoo!
Vous m'avez moussé quelqu'un? Moussé quelqu'un? Non, c'est cool, c'est un plaisir. Voilà. Bah, la prochaine fois que tu viens, si, ah ouais, plaisir. Si t'es inspiré, vas-y. Il y a des choses à faire. Ah ouais, là, tu sais même pas ce que t'as dit. Tu es ici chez toi, frère. Avec plaisir. Avec grand plaisir, bien sûr. Un cabine avec tout matos, un paquet de clés USB, beaucoup de sons. Je vais faire des sons ici. Lui, vous devez y aller. Parce que là, j'ai fini là. Qu'est-ce que vous faites là? Tu as tes balances qui commencent dans 2 minutes. D'accord, j'ai bien dit, je descends tout de suite. Je t'attends en bas? Comme tu veux. Tout de suite. Je t'attends derrière la porte. Une semaine que cette escapade a commencé au Sénégal pour la tournée média, la jour J. On s'apprête à descendre pour les balances et prendre la température du Sénégal à l'hôtel Novotel de Dakar. Ça fait plaisir, on a été à plusieurs endroits et notamment les centres commerciaux de bars, des lieux culturels. Et c'est vrai que pas mal de monde l'ont reconnu, ce qui réchauffe le cœur parce que du coup ça veut dire que la musique traverse. Le chevalier, c'est moi. Tu faisais quelqu'un? Madame Bourdeau. La musique traverse énormément de frontières donc. On va traverser un lot de gens. Voilà. Donc, fais-nous part de ce que tu ressens jour J de cette prestation au Sénégal. Bah franchement, un régal. Très honnêtement, agréablement surpris comme d'habitude. Je savais pas qu'il y avait autant de partage. Ça fait du bien aussi de voir que, même si souvent il y en a qui l'oublient, on vient de là, on vient de l'Afrique, on vient du. C'est nos racines sont ici et c'est ça qui est beau et ça fait du bien. C'est une bonne ressource et c'est une façon positive de pouvoir entamer une belle carrière. Et donc là. Ben là c'est parti, on va aller faire une petite balance pour la prestation de ce soir avec monsieur Pompéro. On va essayer de régaler le public sénégalais. Il n'y a pas que le public sénégalais. Oui, mais les Antillais qui sont au Sénégal. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de tigres au Sénégal. Au Sénégal, il y a des Antillais, donc moi je suis obligé de venir ici pour. Voilà. T'es fini. Merci, je suis obligé de venir. Voilà. On a eu des visites aussi de certaines personnes, certains Antillais qui vivent au Sénégal, qui sont venus voir Yohan. J'ai rencontré les Antillais et puis franchement, quand je vois leur évolution et je vois leur épanouissement, ça me donne qu'une envie, c'est d'avoir au moins une partie de leur expérience. Voilà. Très 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 bon voyage, un vrai kiff. Laisse vivre ma vie, je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal pour te mettre dans cet état. Laisse vivre ma vie, m'arrive quand je ne devrais pas. Je fais rien de déplacé, c'est pas mon intention. J'ai besoin de toi, t'as besoin de moi. Besoin de nous, je vais te faire oublier tout ça. Une petite dédicace à Aurélie, leur patron, sa famille. Les désirs croisés dans moi. Pâté ça qui t'attend. Nous j'ai passé, papy siège chez moi. Les nous toucher, c'est on évident. Alors il est 21h, nous sommes samedi soir, donc les balances sont faites. Et je me dirige vers la chambre de Johan pour le récupérer et nous allons descendre. T'es prêt? Dédicace Nono. Nous parler.
Here we go. Ouais, je passe un petit tour de bras. Chaque presta. Oui, je suis là. On fait des petits arrangements. Ouais, donc avant tu voulais. Fais voir comment tu es beau. C'est la petite touche. Waouh. Salut. Et t'es là. Non, pas qu'à t'es là, pas nous caper l'électricité. Il est embêtant comme ça. Let's go. J'ai tout pour faire de te donner l'amour que tu attendais, je viendrai. Dont tu aimais. Emmène-moi. C'est la danse du après show. Du après show, voilà. Mon mon. C'est la bête. La voile était gaga. C'est la bête. Bravo, Willy. Bravo. Tu es fier de toi. Merci. Je fais des bacs. Lendemain du show, je vais essayer de réveiller Yo-Yo. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, Yoann prend soin de sa peau. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas prendre soin de sa peau, hein, quand même. Qu'est-ce que t'as fait? Un petit masque, c'est important. Allons voir ce qui se passe dans la salle de bain de Yoann. Oh, Piri. Oui, je vais me prendre soin de moi. Nancien, ancien. Ça, c'est tout net. Et puis bien sûr, après, je fais un petit lavage de visage parce que je suis un homme comme ça. Je lave mon visage après. Par contre, j'aime pas comment tu dévoiles mes secrets. Donc c'est ça tes secrets, Nianciam. Ah non, toi t'aimes trop dévoiler mes secrets. Ok. Donc merci. Quand tu me le racontes, ah t'es une petite peau douce, Yoann. Oh, c'est naturel. Mon Dieu. Quel beau gosse. Mais c'est mes mamies. Parle-moi. Le gars est beau. Le gars est beau. Retourne-toi. Hello. Ouh là 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 là. Ah. Good morning. Thank you. On lui rend sa casquette. Je ne t'avais pas oublié. Comment ça va? Tout doux. Lendemain de show. Bah franchement, comme d'hab, hein. Un vrai kiff. Là, on va repartir avec le cerveau rempli. Voilà. Franchement, Sénégal, très très beau pays à refaire vite. Il y a de la demande en plus, donc c'est impressionnant. Je dis ça pour tous ceux qui disaient qu'il n'y avait pas de demande de zouk au Sénégal, ben, il y en a.
voilà, je peux vous le dire, je dis ça à tous les confrères, parce que mon partage, vous avez vu. Donc il n'y a aucun problème, il y a du zouk ici, et il faut juste creuser et faire le chemin. C'est parti. C'est rentré, ouais. Mais dis donc, ouais. Il est beau ton maillot. Ouais, il est pas mauvais. Hein. J'ai poussé à vite faire lancer les balles. À son lutteur. Tu l'as grave acheté à Plume à France. Grave. Grave à menteur. Il a pris un petit cadeau de Paname. C'était pour mon anniversaire. Bon, comme j'ai déjà dit, hein, ça sent la fin, ça sent. Il y a un petit goût de fin. Mais bon, c'est pas fini, l'aventure n'est pas finie. On va revenir, c'est sûr et certain. C'était trop bon. Franchement, le Sénégal, parfait. Pays de cœur maintenant. Timan sera sur scène. C'est que pour le reporter, je crois. Bah, on vlog ou on vlog pas, Timan? Nous qu'à vlog ou pas? On est plutôt mignon. T'as vu? Salut vous.